C'est l'endroit où je suis née, c'est l'endroit où vit ma famille, c'est l'endroit où j'ai grandi, enfin où j'ai passé de toute façon une partie de mon enfance. Et puis c'est un endroit dont je ne saurais me passer. Je sens mes racines. Comment pourrait-on regretter Je veux dire, moi, je l'ai bien expliqué. Je veux dire, ce que j'ai fait, je pense que chacun ici l'aurait fait. Je l'ai fait aussi parce que j'ai l'intime conviction qu'Ivan Colonna est innocent. C'est très clair et je m'en suis expliquée. Vous avez l'impression que vos destins sont liés maintenant ? C'est difficile à dire, mais moi je veux dire que je suis de très près ce qui lui arrive, je suis de très près tout ce qui peut se passer et puis j'espère de tout cœur que ça va bien se passer pour lui. Dolce timbre, aiuto mio tempo. Dolce timbre, aiuto mio tempo. Scrinerà capelli biondi come ricordi ugore chi lamenta a s'allonga canta. Ma situation judiciaire est inchangée jusqu'à aujourd'hui puisque je reste mise en examen pour celle de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, etc. Hein, donc, mise en examen sous contrôle judiciaire et assignée à résidence donc, dans l'île. C'est un problème parce que j'ai du mal à exporter mon art. Et puis ma foi, on se rend compte qu'être en exil dans son île, c'est pas facile non plus. Ça va, c'est ta vie. Ah ouais, là, je te ramène d'où. Je te dis
la Dome aussi. Et qui? Ah ouais? Ah ouais, des collades de San Fiorin, c'est vrai. Je l'ai croisé. Ben, c'est bien. Oui. C'est une Studia et libertà. Militant, ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup. Moi, je suis corse. Je vis ma Corse. Je la défends. Je la chante. J'ai envie que les choses changent parce que je trouve que ça ne va pas. Je trouve qu'économiquement, la Corse est un pays sous-développé, que culturellement, la Corse est un pays qui perd peu à peu tout ce que notre culture nous a donné, c'est-à-dire une langue, des valeurs, une façon d'être, de concevoir le monde. Voilà, ça je tiens à ce qu'on garde tout ça, tout ce qui fait ce que nous sommes. Comment on peut dire aujourd'hui que le français doit être la seule langue de la République? C'est quoi l'ouverture alors? C'est quoi l'acceptation de l'autre? C'est quoi accepter l'autre dans sa différence et dans sa culture? C'est pas nous qui refusons l'autre. Moi, je ne sais pas ce que les autres pensent, mais en tout cas, moi, je sais que je me sens complètement corse. Jusqu'au bout des ongles, j'ai l'impression que j'ai les pieds enracinés dans cette terre. Parce que quand je me retourne et quand je regarde les miens, ceux qui m'ont précédé, je vois des gens qui ont toujours travaillé ici, qui ont construit dans ce pays. Voilà, moi je suis le fruit de tout ça, je suis le fruit de cet héritage. Je suis culturellement d'abord corse et puis française aussi, mais bon. Après pour le cœur, mon cœur est ici. Mon cœur est là, mes racines sont là, ma terre est là, quoi, je veux dire. C'est là que je vibre. J'ai pas à dire si je suis croyante ou pas croyante. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je réponds à une tradition. Je réponds à ce que j'appellerais la ferveur populaire. Et ça, je pense que c'est quand même porteur de certaines choses, porteur de valeurs, au-delà de la foi, je dirais. Hein. C'est le peuple qui se réunit, qui s'unit, qui se regroupe. Chacun a la sienne, mais la religion, si les hommes l'ont inventée, je dirais, c'est parce qu'ils en avaient besoin. Et aujourd'hui, ici, je pense que c'est très clair, les gens en ont encore besoin. Donc, il faut que ces traditions se perpétuent parce qu'elles aident l'homme à vivre. Thank you.
femme, la mère, en tant que mère, elle transmet peut-être plus facilement des choses. Je crois qu'une femme, par essence, elle donne la vie, donc elle est à fond pour la vie, quoi. Dire, donc elle peut apporter ça, ce goût de la vie, ce goût aigu de la vie, je dirais. Qui manque parfois un peu aux hommes. Peut-être.